Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Évidemment, comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Grâce à vous, jusqu'ici, tous les épisodes ont été en top tendance et ça fait extrêmement plaisir. On était sorti de la station essence, on avait juste à continuer notre route. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs. Et pourquoi pas un petit truc à manger, un petit truc à boire, voilà, faites attention. L'été approche quand même, hein, ne faites pas n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Mettez-vous bien, mettez-vous confortable et on va aller dans la librairie. Et il y aura peut-être des trucs, il y aura même sûrement des trucs à trouver. Quoi ce bruit? Très bien, d'accord, on commence un épisode comme ça. D'accord, en plein swing. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bah c'est parti les amis. Here we go again. Juste à droite. Ici aussi. Et juste là, mais c'est embêtant ça, je reconnais. Oh, on peut passer de l'autre côté, non? Oh, fais pas de bruit comme ça! Ok. Oh là là, mais comment vous vouliez que je le tue en étant full discret? En vrai, c'est méga chaud. Ah oh, putain, je pouvais passer par là, mais quel enfer. En vrai, c'est méga chaud. Parce que quoi qu'il arrive, il était voué à se retourner. Bon, heureusement qu'à droite, ça m'a coûté qu'une seule balle, ces petites conneries. Il y a forcément quelque chose d'intéressant, je pense, ici, non? Ah, il y avait vraiment plusieurs accès. C'est incroyable, tout cela. Ok, une lettre, on va lire tout ça. Et on va continuer de fouiller l'arrière-boutique, je pense qu'on a loupé quelque chose. Fran, ça y est, c'est pour dimanche matin. Dis à tes proches d'éviter la rue, mais fais gaffe à ce que tu leur dis. Si Isaac apprend que j'ai parlé, je suis morte. Ça devrait aller vite. Il n'y a plus beaucoup de gars de la Fedra du côté de chez toi. Quand on nettoie un quartier, on emmène tout le monde à la base. Pas de panique, c'est temporaire. Ça nous permet de faire le tri entre les bons et les méchants. J'ai hâte de pouvoir à nouveau dormir avec toi. J'en ai marre qu'on s'échange des mots dans ce club pourri. Voilà, Rebecca. Bon, une lettre évidemment destinée à notre ami. Ça fait plus de 10 ans que les types du WLF s'en sont pris aux militaires. Pourquoi ils sont toujours autant à fond? Tu vas pas me dire qu'il y a tant de passages que ça ici? Je sais pas. On dirait qu'il reste plein de réserves dans cette ville. Pourquoi il faudrait se battre pour en choper une part? Ok, un nouveau manuel. Ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Un manuel de survivant qui plus est. Le magazine du survivaliste. Numéro spécial camouflage. Devenez invisible et imprévisible avec les meilleurs. 15 conseils. Ok, allez, ça c'est beau, ça. Ça, c'est un très joli move. Parce que regardez, on a déverrouillé un troisième petit arbre et c'est plutôt cool. Au lieu de vous tuer, les attaques mortelles, ok. Réduit de moitié le temps de confection d'objets. Et là, confection de silencieux. Confectionner un silencieux. Oh, oh ça c'est très intéressant par contre. Appuyez sur triangle en visant pour mettre ou enlever le silencieux durabilité 3. Par contre, oh là là, c'est hyper intéressant. En vrai, je vais prendre le silencieux. Hein. Je suis désolé, mais ça me paraît beaucoup plus stylé pour le coup. Et est-ce que je peux le faire? Incroyable, je peux le faire. 1 sur 1. Je vous laisse faire le calcul. Des soins, on est très bien, let's go, on continue. On va continuer de fouiller par ici, sur un malentendu. Oh, une petite carte à collectionner. Eh, je commence à en avoir pas mal, en vrai, des cartes à collectionner. Le Dr. Stem. Alors, lire. Après avoir été privée de ses deux parents à cause du cancer lorsqu'elle était petite, Upal Roy reprend des études scientifiques. Déterminée à préserver les autres de la peine
qu'elle a pu ressentir. Devenue le docteur STEM, elle développe, avec des médecins et des chercheurs du monde entier, des technologies médicales de soins et d'optimisation. Elle collabore également avec la Société des Champions pour mettre un terme aux activités néfastes de Spark avec ses propres inventions. Sa ténacité et son refus de l'échec sont à la fois sa plus grande force et la source de ses tourments. Et c'est évidemment une héroïne! On en a besoin un peu de héros, s'il vous plaît. On n'a pas vu beaucoup de méchants. On a vu des méchants passifs. Alors, attendez, j'ai pas envie de subir un coup de Trafalgar, ok. Ça, on prend. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il me fallait, ni plus ni moins. Oh, 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 oh. Non. Ça, on prend aussi. Et là, il n'y a rien. On va fouiller quand même ici. Il n'y a rien. Très bien, on va fouiller les autres toilettes. Les toilettes hommes. Rien non plus. Peut-être ici, rien. Bah, c'est pas très cool, ça, par contre. C'est pas très cool. Que dalle, vraiment, on en est là? C'est terrible. C'est terrible. Bon, bah, on peut se casser. Donc, on a fait le devant. On a fait le derrière, si je peux me permettre cette expression. On a trouvé une carte, on a trouvé un manuel. C'est déjà très, très bien. Mais, en vrai, on en a jamais assez. Donc, on refait un petit dernier tour. On est bon. Ok. Très bien. Petite cascade. On va fouiller par ici. On n'a plus rien. C'est quoi tous ces arcs-en-ciel? Ah, ça. Attends, elle va peut-être dire quelque chose, non, dessus? Je sais pas. Je l'emmène dessus. Non, elle veut rien dire. Dina? Elle en a rien à péter. Elle pose une question, mais elle attend pas de réponse, en fait, d'accord? Elle a pas d'objectif bien précis. Ouais. Ok, bon. Objectif là-haut. Mais on a aussi... Oh, attendez. Attendez, est-ce que par hasard... Ok. Est-ce qu'on peut passer? Ouais, je pense qu'on peut passer, fais chier. Ah non. J'entre. Non. On va jeter un œil. Attends. Faut que j'entre, on va jeter un œil. Ok, de toute évidence, il n'y a rien à faire ici. C'est TA, attendez. Non, c'est bon. Allez, on peut se casser. C'est bien par ici la sortie. J'essaye de rien louper. Station essence, c'est fait. Mince, j'ai pas de carte. La carte n'est pas disponible. Et ça, c'est assez terrible. Terrain de basket. On va fouiller un petit peu quand même. Ce serait dommage de passer à côté certains trucs. Voilà, une barre de fer. Ah non. Une barre en bois. Éclatée. Éclaté, mais on peut se débarrasser d'une personne au moins avec, je pense. On va regarder là-dedans. New Chanel, que dalle. Oh! Une banque, un restaurant. On a pas mal de trucs. J'ai essayé de voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Pas vu de signal. On peut passer par ici. En vrai, est-ce que le plus worst, ça serait pas de passer, je crois pas qu'il y ait grand chose. On va fouiller ici. Allez, vas-y, viens. Tiens, on va même passer par là, tiens. Il y en a partout. Ah. J'arrive toujours pas à comprendre. On se replie. On se replie pas. On se rassemble, papa. Merci à toi. C'est bien joué de ta part, ça. Ok, ça c'est très 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 bien joué de ta part. Bon. Hop, ça en prend. Ça en prend. On va ôter le silencieux. Quoique. Toujours plus de bruit, ma sœur. Ok.
Oh, une carte à collectionner, c'est incroyable. Sergent Frost, on le lira un petit peu plus tard. Il maîtrise la glace, c'est ça. Niveau vie, j'ai un kit. Bon, on va essayer de finir. On va fouiller déjà la réserve. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Merci beaucoup. Des petits ciseaux, ça fait... Oh, barre de fer. Et avec la barre de fer, tu peux tout faire. Ok. Eux, ils sont très, très, très sensibles au son. Moi, j'ai fait un 360 caméra. Son seul avantage, c'est qu'il ne bouge pas. Ok. Et de 1. Il en reste encore un autre. Et je sais qu'avec carré, je peux casser les vitrines. N'oubliez pas que j'ai eu le jeu avec 20 jours en avance. Donc en fait, vos commentaires servaient clairement à rien. Donc canalisez-vous très rapidement, s'il vous plaît. Il y a quand même deux soldats, juste de l'autre côté, dans la partie magasin. 1, 2, très bien. On verra comment on va gérer ça. Ça, je prends, merci bien. Hop, 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 Dina, tu l'as vu, moi je l'ai vu, ça brille bien. Oh, Dina, tu l'as vu, moi je l'ai vu, ça brille bien. Ok. Oh, Dina, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, ça brille bien. Très bien. Là, je sais qu'avec un simple carré... Voilà. Mais bon, vous êtes content? Ah, je suis blindax. Allez! C'est parti, on va les arracher de l'autre côté. Toujours deux. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle a rejoint ses deux potes là? Ils ont l'air toujours trois. J'ai peur, hein. C'est injuste. Hop, on avance. Ok. C'est rien, Dina. On survivra. Ok. Je t'ai eu. GG, ça. GG, Madina. On quadrille le secteur. Oh quoi? On voit sa tête, c'est injuste.
Ok. Il y en a un autre pas très loin. Ah d'accord, j'ai. Mais elles sont où, putain ? Cherchez partout. Trouvez-les. Ça a l'air bon, non ? Ça a l'air bon de ouf, hein ? Non ? Bon ! Y'a plus de bruit. C'est pas comme ça que je voulais l'appeler. Ouais. Dommage. C'est pas comme ça que je voulais la jouer. Après, ils étaient trois dans la boutique. Je vous avoue que j'ai été pris sans faire le gars un petit peu au dépourvu. Ça, par contre, je prends ça. Allez, hein. Ça, tu me régales, s'il te plaît, très rapidement. Attends, pardon. Voilà. Changer d'arme. Ok. On reload calmement. Bon! J'ai quasi pas perdu de vie. En vrai, on s'en est très très bien sorti. Ça, ça et ça, on prend. On n'était pas du tout passé par là. Regardez tout ce qu'il y a, c'est insane en vrai. On va carrément aller... toc. Voilà. On va carrément retourner ici. On va utiliser le soin tranquillou. Voilà, parce que vraiment, on a grave géré, je trouve. Voilà. On va se lever et on va récupérer le petit kit de soins. C'est du bon boulot. C'est très très propre, je suis pas peu fier. Même si c'était très action, d'accord. Ah, le boulot est quand même fait en fait, hein, donc on va pas s'en plaindre. Il n'y a plus de vitrine là, si je ne m'abuse. Allez, on va aller fouiller les autres boutiques. Ici, normalement, on a tout pris. Et il y avait trois boutiques. On avait la banque. On va fouiller ici déjà, pour commencer. Je sais pas où ça peut mener. Mais d'où je viens? Ah, je viens d'ici d'ailleurs. Je viens de partout en fait, ok. Hop. Cascade. Ok, y a que dalle pour l'instant. Voilà. Nickel. Hop. Micro cascade de comptoir. Allez, regarde-moi. Très bien, ça régale, on prend. On a des soins encore de l'autre côté. Attends, mais ils ont prévu qu'on se fasse arracher ou quoi? Comment ça se passe ici? Attendez, bougez pas. Oh, elle m'a fait tellement... Elle m'a fait baliser. Elle m'a fait stresser de ouf. Complètement malade, elle. Hein. Elle est venue comme ça, comme une lettre à la poste. Oh, il y a trop de choses. Il y a un magasin dans un magasin, on fait quoi les gars pour tout fouiller nous? On fait comment? Hop, ça on prend... Attends, un flingue? Non, c'est que des mules. Ouais, d'accord, c'est bien que des mules. Très bien. Poussez-vous madame. Y'a rien. Faut vraiment tout fouiller en fait, hein, pour le coup, dans les distributeurs. J'avoue que c'est un des trucs que je fouillais le moins. Et c'est assez terrible parce qu'il y a masse trucs en vrai. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder partout. Voilà, ça c'est pas mal ça par exemple, tu vois, ça faut prendre. Bon, on peut faire en sorte que les attaques mortelles ne tuent pas. Par contre, indirectement, tu peux pas apprendre. Si je prends ça, c'est bien, parce que ça me mettra un HP. Mais est-ce que c'est vraiment fou? Parce que après, pour se récupérer sans HP, je vais devoir me soigner 2-3 fois. Alors que si tu meurs du premier coup, bah tu recommences et t'apprends normalement, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois ce que je veux dire. Bonjour, monsieur. Vous êtes dans un sale état, mais c'est normal. Fallait pas me provoquer. Pas grand-chose hein, dans les bureaux. Oh, une petite bouteille. On est dans les bouteilles ici. Voilà. On essaie vraiment de tout fouiller. Je passe peut-être à côté de certaines choses. Encore une fois, je vous ai déjà dit comment ça fonctionnait. Il y a une différence entre regarder et jouer. Allez, go. Hey, je crois que c'est par là. Non, non, on va pas y aller. Attendez, j'ai la banque à fouiller. Abusez pas, abusez pas. N'abusez pas des bonnes choses, s'il vous plaît. Beaucoup trop de trucs. Vraiment, c'est indécent. Ok. C'est totalement... Ah oui, c'est totalement indécent. Et là, de l'autre côté, est-ce qu'on peut prendre? Non? Ouais, on pouvait prendre. C'est totalement indécent, attendez, bougez pas.
Ah, la tienne, la tienne. Ok. Bon! Et c'est pas fini. C'est pas fini, on a même pas fouillé la banque, c'est terrible. Donc on va se rebarrer tranquillement. On peut passer par là. Tellement de chemin en vrai. Ok. Ici on était passé. Go fouiller la banque. Let's go. Attendez, je peux même peut-être voir là-dedans, non? Je sais pas. Je vais pas faire le gars chiant, mais ouais, il y avait une brique. Oh. Encore une brique. Allez, y'a quoi dans cette banque? Alors, on va tout refouiller. C'est parti. Ça fait des grands espaces en vrai. C'est du semi-open world pour le coup. C'est pas un vrai open world. Un vrai open world, t'aurais... Parce que là, en fait, si vous voulez, ça fonctionne un peu par système d'arène. C'est-à-dire que c'est semi-ouvert. Tu ne peux pas, par exemple, retourner au tout début du jeu. Voilà. Mais vous avez compris le truc, ça reste quand même un semi-open world plutôt bien travaillé. Et clairement, le plus grand semi-open world que Naughty Dog a fait jusqu'ici, ils ont pas menti. C'est vraiment leur plus gros espace de jeu. Uncharted 4 avait déjà tenté des trucs vraiment, vraiment sympas quand on pouvait se balader en véhicule et tout, et c'était vraiment cool. Attends. Voilà. Et là, pour le coup, ils avaient dit, bon, dans celui-là, on a développé... les environnements les plus grands jamais faits jusqu'ici, dans leur studio évidemment, hein, c'est pas non plus un GTA, c'est pas le but. Et ils ont pas menti, voilà, et ça, ça fait plaisir. On a tout fouillé ici, on peut s'en aller. Normalement, en vrai, on est méga bien. Je pense qu'on peut... oh, regardez-moi ça, tiens. Faut vraiment fouiller partout, il y a des trucs partout. Donc ici, on l'a fait... Regardez, on peut aller là-haut, en fait. On peut aller là-haut. C'est incroyable, c'est vraiment grand. On l'a jamais fait, ça. Attends, est-ce qu'on peut le faire? Que dalle. En fait, il n'y a rien. On peut y aller, mais il n'y a rien. Nickel. J'en demandais pas moins. Allez, on s'en va. On arrête les conneries. C'est vraiment grand. Je doute qu'il y ait des trucs cachés là-haut. Faut pas abuser non plus. Ça serait très malin et... très vicieux de faire ça. Je pense qu'on a tout fouillé. Alors, évidemment, on est peut-être passé à côté de certaines choses. Mais j'ai envie de vous dire, voilà. Hein, vous avez compris, on va pas non plus pleurer pour une petite bouteille ou un bout de tissu. C'est pas bien grave encore. Là, on va déjà pouvoir passer à la suite. Prochaine zone. Eh, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ici. Déjà pas mal. Oh, pardon. Peut-être un petit peu trop... hop, c'est par ici. T'es là, Dina, hein? Ok. C'est par ici. Très, très bien. Ensuite, c'est par où? C'est par là, non? Hé, Dina. Allez, dégage, ouais. Je veux plus te voir. Allez, salut, ma pote. Vas-y, hein, marche-moi dessus. Voilà, pied dans la gueule. Donne-moi la main. Ah putain, tu voulais m'aider comme ça. Moi, j'attendais qu'elle aille de l'autre côté. Hé, hey, on y est bientôt. Rond. On dirait la station télé de ta carte. Ouais. Bien. Bon, zone suivante. On y est bientôt. Je pense que dans 2 ou 3 épisodes... Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. On va en découdre. Eh ben, dis donc. La ferme. J'allais quand même pas te laisser faire ça toute seule. C'était quoi ça? Il a foncé dans un piège. Un quoi? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. Ah, on en est là? C'est la rue ici?
Ok. Bon. On va quand même tout fouiller par ici. J'irai récupérer mon piège, hein, c'est pas le problème, je l'oublierai pas. Normalement, MDR. Ça, on prend. Hop, une petite carte collector, on prend. Candélabra, on va quand même l'étudier vite dev pendant qu'on est là. Ah, oh, elle est belle. Elle est stylée, la carte. Lueur d'espoir de la nuit, c'est une héroïne encore, hein. Elle reçoit son nom pour la première fois que des témoins voient des flammes sortir de ses doigts. Et elle maîtrise le feu, évidemment. Allez, c'est dans la poche. Ok, ça c'est pas mal ça. Petite balle de pompe, ça va faire plaisir. Ah, il y a un autre piège. Let's go. Vous le voyez ? Sacré piège, hein. T'es aussi près que ça? Ah! Ah d'accord! Bah go, on se soigne, j'étais pas préparé à ça, je vous avoue. Je voulais juste la tirer, bon pourquoi pas. Ok. On va vraiment tout fouiller, on va faire attention. Ouais, je vous avoue que j'étais pas prêt à prendre un piège comme ça, ça c'est assez terrible. Sacré Clément en tout cas. Hein. Oh! Je crois qu'il faut qu'on descende. Oh! Ça c'est ma miniature ça. Il faut qu'on descende. Allez, impeccable, je monte. Allez, où salut! Où est-ce que tu vas? Attends une seconde. Eh, t'inquiète pas! Toujours localiser notre objectif. Il y a pas mal de dégâts. Et surtout où on doit aller aussi, c'est très important. Voilà. On prend tout ça. Oh, c'est des belles tubs. Toujours pas de scars. Encore 4 heures à tirer. Fait chier. Mais c'est mignon, ça. Regardez-moi ça. Ah, il a pas dû voir Oh, putain. Ah, bah, j'ai vu une sacrée paire de couillasses, hein, quand même. Hein, il faut le dire. Ok, on va reload de ça. Et on peut se barrer. Des wolves ? J'en vois pas, mais ça veut rien dire. Ok. Eh bien, on continue. On va essayer d'avancer un petit peu, calmement. On va... Tiens, allez, hop. Un peu de gadou. Ellie ! C'est bon. Putain. Tout va bien. Allez. J'ai l'impression qu'on s'avance et on s'enfonce dans le Mordor là, c'est assez terrible ça, non? J'aime pas trop ça. Attends. Est-ce que ça nettoie mon pantalon? Impeccable, ça m'a nettoyé. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. Elle sera là-bas. Dina, t'es chiante. Pose pas des questions de mort. On devrait mettre un piège à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Des dessins alors? Genre... Hé, hey, regarde. Qui c'est à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout. Tu crois qu'elle a un rapport avec les wolves? Oula. Je sais pas. Trop bizarre. Très bien. Ok, on apprend un petit dessin. On verra. Oh. Putain de merde. C'est une boucherie, c'est toi, Tommy? Ça a été tué par balle. C'est
C'est toi, Tommy, qui a fait ça? Un cheval? Oh, c'était le cheval de Tommy. Oh là là! Regarde. C'est celui de Tommy. Oh. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Oh. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Déjà être venu en cheval jusqu'ici, ça retec de ouf, mon Tommy. Oubliez pas que Tommy, ça reste le frérot sûr. Allez, on continue au prochain épisode. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis, portez-vous bien. Et à demain pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.